It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run. But then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer. Oh, you were mine until the end of the summer. A couple hundred miles will separate us for a while, but I believed that we would be back at the end of the year. But it's like you disappeared and you moved on, gone. A new season has dawned. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Summer, oh, oh. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? Que ça finisse. Pourquoi je sais pas en face comme moi? Trop de cul de bol. Je crois que les copes, ouais, ça pourrait, je pourrais aller les chercher tout à l'heure. Ouais, je dois me dire, c'est un jour même que j'y aille demain ou aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Allô? Rudy? Tu m'entends ou pas? Rudy? Quoi ce bordel? Pourquoi je l'entends plus? Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Découverte du jeu Plan Accident, donc c'est un jeu de simulation d'accident d'avion. On va tester le prologue, donc je tiens à remercier les développeurs de m'avoir envoyé la clé pour vous présenter ce jeu.
Donc, je serai accompagné de Rudy qui est avec moi sur le Discord, mais bon, on l'entend pas pour l'instant. Et Bonjour à tous. du coup, ben, on va tester ça. Donc, j'ai testé le jeu. Le seul problème, c'est que le jeu toujours est pas en français, malheureusement. Mais bon, on va y arriver. J'ai testé et ça devrait le faire pas trop mal. Ça sera moins pire que 3D Paint Master Simulator. J'ai plus d'infos par rapport à ce jeu-là, donc je pense cet après-midi, je streamerai 3D Paint Simulator, donc j'ai plus d'infos et je sais comment faire maintenant. Donc j'ai envie de vous dire, let's go, découverte du jeu de Plain Accident Prologue. Donc je passe sur. Je bascule. Voilà. Tu m'entends, Rudy, là? Oui. Donc, comme je vous le disais, j'ai testé. Donc, faut faire espace. Donc, bon, comme vous pouvez voir, j'ai testé. Donc, on va repartir de zéro avec un nouveau profil. What? Hein? Mais dis quoi, là? Créer profil requiert entering. Une entrée de nom. Ouais, attends. Ah, ok. Ben, la partie, je vais l'appeler ben, gamer, tout simplement. Voilà. Ok. Et voilà, nous sommes partis. Donc là, on est en mode aventure, si j'ai pas de bêtises. Oui, continuez l'aventure. Premier jour. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des trucs que je trouve assez stylés, style le drone par exemple. Vous allez voir, il y a un drone. Par contre, attends, faut que j'aille dans les réglages parce que j'ai du vent qui me pète dans les oreilles là. Le volume, il est où, l'audio? Le master volume, il est en haut, c'est le premier. C'est comme ça. Donc, faut se déplacer, bien sûr, ça joue au clavier souris. Donc, il faut prendre le sac et se déplacer par là. Et faut choisir donc le 1 pour mettre les drapeaux. Voilà, faut baliser l'épave de l'avion en premier. Ouais, c'est ça, faut. Là, c'est fait. Ensuite, il demande d'éteindre les incendies qu'il peut y avoir. Alors, faut prendre un 5 heures. Un 5 heures, c'est le 2. Donc, Oui. on se dirige par. Attends, ils sont là. Ah, merde. Si j'avance pas, ça va peut-être pas marcher. Et d'un. Ouais, c'est avec Z qu'il faut avancer. Et de deux. Il faut que je repasse avec ça. Il faut marquer les zones de marquage au niveau des. Faut marquer l'épreuve de l'accident et tous les débris autour de la zone. Et là, après, il y a, oui, il y a la flasque 2 et le Du troisième. moins le bidon d'huile. Le troisième, c'est Le chariot, non? Je sais plus. le chariot ou Attends, il me semble le qu'il y avait un truc là.
Et l'hélice de l'avion, l'hélice derrière les arbres, qui est au sol. Non, faut que tu mettes le curseur dessus. Faut peut-être que tu recules un peu et tu mets ton point de curseur dessus et puis tu attends que ça te le... Ben, ça veut pas, Ah. là. Pourquoi tu veux pas? C'est pas gentil. Peut-être regarder ailleurs autour de l'avion, mais c'est bizarre ça. Parce qu'il la marque pas. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Il y aurait quelque chose qu'on aurait oublié dans le... Bon, ouais, quand on l'a testé hier, c'était l'hélice. Ouais, mais bon. À moins que je sois mal placé. Bah déjà, je vois pas la flèche blanche, c'est ça qui est embêtant. Je vois pas la flèche blanche, à moins qu'il y en ait une ailleurs, mais il me semble pas dans mes souvenirs. Attends, faut pas tester avec le drone. Attends, si je crois qu'il y a une histoire de drone. Bah là Ah, pour l'instant non, il demande de sécuriser les... ah mais qu'on rappelle-toi que hier que il fallait gagner la Ah oui, zone. peut-être pour trouver, oui, pour trouver les pièces qu'on ne voit pas à proximité de l'avion. Voilà. Donc la zone elle est là, donc il y a un point là et un point là. Donc il faut se diriger sur la zone où c'est indiqué. Ah, on va avancer. Voilà. Il y a le chariot apparemment. Ah, mais quand je filme dessus, ça marche pas. Bon, on va faire l'hélice. Ah, là, c'est bon. Voilà. Prends une photo. Photo! Préparer les photographies pour la documentation de l'accident. Alors, c'est à touche 3, pas à touche 3, c'est pas F1 ni F2, F3, c'est à touche 1, 2, 3. Donc, on Oui. sélectionne appareil photo et on se place sur les points, Sur les zones bleues. voilà, sur la zone bleue, exactement. Donc, on va commencer à prendre la plaque. Et voilà, quand c'est rouge. Vous cliquez sur coupe Voilà, c'est qu'on a gauche, la... on a la photo. Voilà. Après, on va se diriger ici et il faut prendre l'avion. Voilà, ça en fait deux et tout, je Et crois. c'est bon. Alors maintenant, ils disent de préparer Ouais, donc faut. les pièces à être transportées. Donc, on utilise le téléphone, voilà. On appelle le technicien qui transporte tout ça au hangar. Donc, une fois arrivé au hangar, donc pour faire des analyses, machin, donc là. Dans un premier temps, ils vont nous demander de lire les documents de l'accident, concernant l'accident. Donc, il faut aller au bureau. Donc nous avons quand même un tuto quand même assez précis, enfin détaillé, et on est quand même assez aidé, on va dire. Mais bon, comme je vous disais, le jeu il est en anglais. Donc juste à suivre les indications, c'est plutôt simple. Voilà, que vous avez lu. Après vous passez au troisième document. Là, ça vous explique le pourquoi du comment. Le document de vol du pilote. Après, vous passez à celui-ci, les photos. Donc, Il on demande de, regarde. voilà, de regarder les photographies de
Donc là, on voit bien que c'est une flasque Non, de. c'est un bidon d'huile, ça, Fred. Ah, bidon d'huile. Je crois que c'est une flasque Ouais. d'alcool. LOL. Non, c'est bidon d'huile pour commencer. Non, c'est bon. Allô, la tablette. Ça ne veut pas marcher. C'est bon, j'ai rien dit. Donc, on va regarder la deuxième photo. Donc, la deuxième photo, donc c'est l'épave de l'avion, bien sûr. Donc, Voilà. on repose le document et on regarde le dernier document. Non, pas celui-là, trop du cul de balle. Et celui-là. Voilà, le dernier, c'est regarder la liste des personnes rattachées à l'accident. Voilà, donc c'est Madame Machin Truc. Voilà, l'épouse du monsieur qui a eu Et l'accident. du coup, là, je sais plus. Ensuite, il faut inspecter la boîte noire. Donc, il faut Ah aller oui, sur l'avion. c'est vrai. Merde, non, mais je suis bloqué. Non, c'est pas là. J'ai pas la porte ouverte, donc on a oublié un truc. Le bureau à gauche, juste à ta gauche. Le bureau à gauche, il faut que tu regardes le plan de l'avion pour voir où se Ah situe la boîte oui, noire. c'est vrai, j'ai oublié. Ah Voilà, là tu là. regardes le bureau, le plan de l'avion. Donc, on voit que la boîte noire se trouve juste à l'arrière du cockpit. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est là. Voilà, elle est rangée ici. Donc on fait sortir du. Voilà, la porte s'ouvre à nouveau, on peut repasser et on va aller chercher là. Visseuse, J'allais dans dire un la. premier temps. J'allais dire la perceuse. Lol. Là, on démonte. La tôle, on la pose. Voilà, Sur là. une palette assignée. Là, on Comme démonte. preuve. Et il faut aller scanner le. Ben, la boîte noire, il faut aller la scanner. Voilà, la poser sur la table d'analyse. Et puis poser la perceuse aussi, parce que bon. Je pense que c'est la personne qui me gêne. Oui, je pense aussi. Donc, faut que tu poses la perceuse. Voilà, Voilà. maintenant on va faire l'écoute de la boîte noire. Alors maintenant, le truc qu'il y a. Oula, putain, c'est grésillant, c'est pénible. Alors le principe, c'est simple. C'est. Alors ça m'a plein de certains jeux, mais alors, je ne sais plus lequel. Il faut aligner les zones bleues avec les zones vertes. Enfin, les vertes, il faut les aligner avec les bleues. Voilà, faut les superposer pour qu'elles soient identiques. Il me semble que quand j'ai testé hier, c'était plus rapide qu'un. Vas-y encore, continue sur le vert, continue, continue. Non, non, que le vert. Voilà, jusqu'à ce que. Voilà, tout doucement, et maintenant. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, il faut que tu ailles à la boîte email. Ouais, boîte mail. Alors, on va sur le bureau. On a un bureau ici. Donc, il faut faire Inkbox pour commencer. Voilà. On lit donc le rapport, apparemment. Le rapport de la boîte noire. Bon, c'est qu'en anglais, donc on va pas s'embêter avec Rudy à lire, vous expliquer. Enfin, en gros, voilà, ça explique un peu les causes de l'accident, le motif du pourquoi, du comment. Donc, on fait retour. Et si je dis pas de bêtises, il y a un deuxième mail à vérifier dans Outbooks. Voilà, donc voilà. Après, Ça, c'est le rapport de l'Institut d'aérodynamique. donc là, vous passez un coup de téléphone donc au mécanicien. Voilà, on l'appelle tout simplement. Pour qu'il donne son avis personnel. Donc une fois que ben, l'appel est passé, on peut le reposer le téléphone. Et après, voilà, nous avons des sneakers à poser, donc c'est indiqué où les mettre. Voilà, placer les preuves sur le tableau. Voilà, là, là. Et pour l'instant. Ensuite, il Attendez, faut là. prendre la bouteille d'huile pour analyse, pour l'envoyer aux analyses. Non, attendez, il faut que j'aille aux toilettes. Désolé.
C'est chouche, moi j'ai la télé, ça fait trois matins qu'elle se rallume automatiquement. Il y a un fantôme peut-être dans la maison. Je sais pas, ça fait 3 fois que ça me le fait. Du coup, on en était, donc boîte, donc Il faut prendre analyse. la Ah oui. bouteille d'huile et il faut l'envoyer à l'analyse. Ah ouais, analyser la bouteille d'huile. La flaque. Le camion, il est là. Direction le camion. Non, d'abord dans le carton. Il faut Ah la oui, mettre dans merde. un Ah carton. oui, c'est vrai qu'il faut le mettre dans. Toutes les preuves d'un accident doivent être emballées dans des cartons avant d'être envoyées en analyse. Voilà. Ensuite, on prend le carton qu'on amène à un livreur qui va délivrer cela dans un laboratoire d'analyse. Donc il est parti, le camion, maintenant il faut aller, je sais plus. Lire les emails. Ah oui, c'est vrai. C'est marqué en haut à droite. Je ne sais pas lire. Alors, nous avons donc un... non, c'est pas ça, si, non, non, c'est... Inbox. Ah Faut oui. cliquer sur Inbox normalement. Donc c'est ça, voilà. Voilà. En gros, comme vous voulez, enfin, comme vous voulez, comme vous pouvez le voir, c'est marqué. L'analyse. Ouais, Attends. l'analyse de la boîte noire. Voilà, c'est analyse. Après, Ensuite, il faut reconstruire l'épave de l'avion. alors, il faut reprendre la visseuse. Et on va remonter l'avion. Donc, on va commencer par l'hélice. Voilà. On a juste à prendre la visseuse et faire clic gauche et ça se pose automatiquement. Voilà, tout simplement, rien de plus simple. Après, on a bon ceci. La deuxième pièce, voilà, les pièces sont indiquées avec les flèches blanches. Voilà. Ah oui, par contre, juste un petit détail, c'est qu'à un moment, ça va vous dire que la batterie de la visseuse est déchargée, A donc pour changé. remplacer, à changer, voilà. Ouais. Maintenant, il faut faire un scan de l'épave. Donc, il faut poser la visseuse. You, ah, là-bas. Voilà, faut que tu poses la visseuse sur l'établi. Et alors, le truc que je trouve vraiment stylé sur le jeu et qu'ils ont très très bien fait, et je trouve ça une très bonne idée, c'est le drone. Donc là, sur la tablette, il faut sélectionner. Non, le deuxième, c'était le deuxième qu'il fallait sélectionner, mais bon. Là, ça pareil, je pense. Ça Non, parce va. qu'il y en a un, tu recherches les explosifs, l'autre, tu analyses les surfaces. Et là, en gros, c'est une analyse des surfaces de l'avion qu'il fallait faire. Au pire, voilà. Ben, ça va aller, apparemment. Oui, ça valide, mais bon, il y a des choses différentes. Normalement, c'était. Donc maintenant, tu as reçu dans ta boîte email, tu vas recevoir une boîte par le livreur par le livreur, et Ah, ensuite, tu auras. mais oui, c'est mon cadeau de Noël en retard. Merde. Ah non, il faut aller chercher. Ah mais non, il est là-bas l'autre. Allô? Le livreur est là. Oui, faut aller au livreur et ensuite faut aller regarder la boîte email. Donc, on a reçu donc, ben, ce qu'on a envoyé en expertise. Donc, on La l'a. bouteille d'huile qui a été analysée. Et il faut la reposer à la place où on l'a pris tout simplement. Voilà. Voilà, Au niveau des preuves. et il faut retourner au bureau. Donc on a un nouveau email qui se trouve ici. Donc Oui. ça c'est fait, ça c'est fait. Donc c'est celui-là, diagnostic laboratoire. Si je traduis bien en français. Après nous avons le scan, ce que ça a donné. Et nous avons passé onboard, il faut passer 3 trucs, si je comprends bien. C'est Voilà, sur faut le... placer trois, Trois stickers. faut trois stick, trois preuves sur le tableau d'analyse. Donc, plutôt bien expliqué. Et maintenant, il faut restituer l'accident. Alors, là. Faut faire ça. Ça. Je crois, et je sais plus comment j'ai fait hier pour que ça soit validé, mais bon. Là.
C'est là que et le problème, je sais pas comment j'ai fait hier pour que ce soit validé, parce qu'il faut attendre, je sais plus. Sais plus comment j'ai fait hier. Mais t'as dit que t'étais resté, que t'avais maintenu le bouton appuyé. J'ai dit quoi en haut à droite là Pour l'instant, ça demande de mettre l'épreuve sur le tableau. ouais, donc ce que j'ai fait, donc j'ai tout validé. Donc apparemment il y en a sur les trois, il y en aurait une qui est bonne. Donc si je fais ça, je sais que j'ai trafiqué un truc hier. Je sais plus trop où ce que j'avais trafiqué. Non, tu veux pas me valider? Elle est pas gentille avec moi, le jeu. Méchant jeu! Pas gentil. Comment j'avais fait hier? Qu'est-ce qu'il dit, Mathurin, là? Donc sur. Non, c'est toujours pareil, mettre l'épreuve sur le tableau. Clubax, salut Fred. Salut, Clobache, Encore comment il un va? nouveau jeu? Ouais. Bonjour Clubax. Pourquoi tu veux pas me valider la quête là? Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi la flèche reste à cet emplacement. Clubax Faut peut-être et salut attendre. Hier, Rudy en t'avais dit qu'il vocal. fallait attendre, donc. Ben, il y a Rudy avec moi en vocal pour m'aider à traduire le jeu pour pouvoir m'aider. Oui, salut Clubax. Donc, c'est un nouveau jeu d'enquêteur d'accident d'avion, en gros. On enquête sur un accident, on analyse les preuves. Là, c'est ça analyse mon cul, c'est du poulet. Pardon. Oui, mais il faut laisser le temps, hein. Il faut pas oublier qu'il y a un certain délai pour certains trucs. Je sais plus comment j'ai fait hier. Il y a un truc que j'ai fait hier et je sais que j'ai tourné les trucs, machin, enfin j'ai fait un mini-mélo avec Je sais que hier j'ai fait un truc. Et avec les flèches de machin là. Et toi en haut à gauche, je sais pas si. Ah mais non, tu vois pas avec la caméra. Ah si si, tu vois. Tout en haut à gauche, toi, il y a un truc qui est validé. Il y en a un qui est validé pour l'instant, Donc mais. c'est. Apparemment, ce serait la bombe. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ça, ainsi que ça, ça, et faire le madame? Non. Bien, on a attendu un peu, je crois. Oui, il fallait attendre un petit peu, donc. Moi, il n'y a pas de nouveau de nouvelle. Non, il n'y a pas de nouveau mail. Ah, il y a une question qu'on avait attendu, hein, si je pas de conneries. Ouais. La question que je suis en train de me demander, ouais, mais j'avais tout validé en. Ouais, c'était tout Il validé me en fait. semble, il me semble, il me semble, mais ça a été un peu vite hier parce que.
Il y a un truc là. Soit on a oublié un truc ou faut attendre. C'est l'un ou l'autre. De toute façon. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que une fois que j'ai fini ça, l'avion, enfin l'énigme de l'avion est finie. Mais là, Voilà. Oui. il s'appelle désirer le truc. Donc ça, c'est le crash. Ah, mais si tu rechanges toutes les 2 secondes les trucs, ça va pas le faire. On va attendre, hein, au pire des cas. J'ai pas trop le choix d'attendre. Le problème, c'est que c'est pas trop évident, vu que c'est en anglais, pour comprendre les textes et bien comprendre les choses, ça pose problème. Ben là, en gros, ça dit que c'est dû à l'explosion. Oui, mais parce que quand tu as analysé avec le drone, tu as demandé une analyse d'explosif, au lieu de demander juste une analyse de comment on appelle ça, de l'avion. Donc en gros, Attends. tu pars, ça rajoute un truc, mais ça changera pas. Je pense pas que ça va changer quelque chose, hein. Et le problème, c'est que c'est un peu trop tard. Non, peut-être pas. Ah si, c'est un peu trop tard. Ouais. C'est un peu trop tard. Faut stylé le drone. Parce qu'en gros, quand tu fais une analyse d'explosifs, c'est qu'il y a eu un acte terroriste, grosso modo. L'analyse des surfaces, c'est pour analyser l'épave de l'avion. Et la troisième option de la tablette, c'est analyser les débris dans la glace, apparemment. Ah ben, non, mais non. Allez, s'il te plaît, valide-moi le bordel là. Allô? On a un PLS là. Ah, la flash correspond à ça. L'arrière, c'est avec la boîte noire. Ça correspond. Pourquoi tu veux pas me valider? Là, au-delà, il n'y a rien. Non, c'est le premier qu'il faut toujours regarder. Scanner, test. Alors voyons voir. Le scan indique. Ah oui, bah. Tu veux me valider, s'il te plaît, ou pas? What the fuck? Je veux pas valider. Je sais pas ce que j'ai fait hier. Est-ce que je me suis pas trompé en faisant le scan, peut-être? Ah ça. Ah, je suis pas rescanné, c'est ça le problème. D'après ce que. Ah non, une fois qu'une étape est passée, elle est passée. Ah, je peux que rescanner. Non, c'est bien l'explosif en fait. J'ai scanné Ah, mais l'explosif. c'est peut-être parce que tu l'avais sélectionné au départ, mais il me semble que dans les étapes, normalement, c'était scanner la surface de l'avion. Donc, J'adore le système du drone.
Normalement, il doit y avoir un scan au niveau. Il n'y a pas un email de scan? Si, 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 c'est le Ouais. dernier. C'est celui-là, là. C'est ça où je suis. Voilà. Scanner pour explosif, le scan a indiqué significativement détecter du TNT sur le fuselage de l'avion, de nombreuses marques causées par l'explosion. L'avion Most Probably a explosé dans les airs. Donc apparemment, il y aurait eu une explosion durant le vol. Donc maintenant, non, on se retrouve à nouveau. Donc peut-être que il faut décocher la, peut-être la femme la mettre en avec la croix, voilà, et attendre, voir si ça va faire quelque chose. On attend patiente. Parce que normalement, tout est. C'est quoi la bombe, donc c'est validé. Par contre, c'est les autres deux qui sont pas validés. Parce que je suis en train de me dire, mais j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça hier en test. Si j'ai pas scanné le reste. Non, non, mais tu ne peux scanner que le. Tu ne peux faire que ça, quoi. Il n'y a pas de. Nein, oui. Je décoche ça, je fais ça, ça. On va trouver, hein, mais bon. Repasse pas en vert, ça en vert, ça je repasse en vert, et ça je repasse en vert. J'ai un peu comment j'ai comment c'est Bah, je passé sais là. pas parce que je regardais pas l'écran hier, donc je me rappelle plus ce que tu as fait. Je sais que tu n'as pas arrêté de cliquer dans tous les sens, et puis à un moment, ça l'a validé. C'est ça. Mais je me souviens Alors plus. peut-être qu'on t'a été un peu vite et qu'il aurait fallu prendre le temps, parce que normalement, les enquêtes sont longues là-dessus. De Prendre le manière. temps de faire les. Au niveau d'ordinateur, il n'y a plus rien à faire. Donc là, Non, non. ça joue sur le tableau. Ouais. Donc maintenant, il faut reconstituer les événements qui s'est passé en fait. Il y a un truc à faire. C'est quasiment certain, la question. Et dans quel sens ça va? Donc, là, c'est l'explosion. Elle. C'est pas elle. Ah. Là, 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 là. Pourquoi ça me propose ça là? Je comprends pas. Au moins que j'essaye. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas?
Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche. Ah, voilà. Ah, nous avons résolu le problème en 27 minutes et 25 secondes et 75 secondes. 27, 25, 75 secondes. Close. Ouais. Donc on continue l'aventure. Demandez pas comment j'ai fait. Et nous allons repartir pour un deuxième avion. Un deuxième accident d'avion. Alors, ce que je trouve stylé, waouh, mes oreilles, le volume, il est fort, bordel. C'est le volume SFX qu'il faut que tu baisses. Faire quoi? Je pense que c'est le volume SFX qu'il faut baisser un peu, parce que tu as un des volumes qui est un peu trop fort. Alors, le truc, comme je disais, le truc que je trouve stylé sur le jeu, c'est le drone et la voiture, franchement, comment elle est stylée. Sur le Alors là, on côté. te demande de prendre ton sac à dos dans le camion pour commencer. Allez, c'est parti. On cherche l'avion. Voilà. Maintenant, il faut chercher l'épave de l'avion. Prenons-nous dans. Non, c'est bloqué là. Voilà, là c'est bloqué, donc il faut prendre un autre chemin. Oh, il y a des maisons. Oh, belle forêt, magnifique. On parle aux champignons. Il est où ce putain d'avion? Ah, il n'est pas à côté, hein. Faut marcher un moment. Ils l'ont mis à combien? À 10 km? Ah bah il est un petit peu loin, hein. Faut. Les avions, malheureusement, ils s'écrasent pas au pied des enquêteurs, hein. Ah, enfin. Nous y sommes arrivés. Donc en premier, il faut trouver l'épave. Voilà, donc ça c'est bon. Allez, on va. Donc, faut sécuriser la zone. Voilà, maintenant il faut Donc. sécuriser l'épave. Donc il faut mettre les 4 piquets autour de la zone du crash. 5 piquets. Oh putain, il faut 8 à 5 heures. Non, pas maintenant, pas maintenant. Ah si, il faut éteindre les flammes. Bah, faut que tu te rapproches un peu, là, t'es un peu loin. Mais bon, on a sauvé, Voilà. on a évité le pire, je crois. Oui, avant que ça fasse boum. Maintenant, faut terminer de baliser la zone. Voilà. Là-bas. Là. Et la zone est sécurisée. Maintenant, il faut qu'on passe avec Maintenant, il les. faut sécuriser l'épreuve. L'épreuve de l'avion, il y en Voilà. a 10. Attends, faut que je. C'est quoi la touche? Ah mais non, j'avais. Voilà. Alors. Alors, Comment? dans l'ordre, normalement, il y a le manche du volant dans la cabine. Et les sièges, voilà, les sièges, par exemple. Voilà. Ça fait un. Le manche de l'avion, le deuxième fauteuil, l'aile de l'avion, Non, c'est un caillou. l'aileron. Non. Ensuite, là, voilà, ça en fait 6. L'hélice de l'avion. Il faut trouver l'hélice qui doit être quelque part. Voilà. Il en reste trois. Ouais, donc il faut chercher dans la zone. Il manque
Là. L'aileron, voilà, il y a une pièce là, voilà. Et si je me souviens bien, les autres elles sont plus loin, il me semble, j'ai pas de conneries. Les autres, elles sont plus loin en arrière, ouais, il me semble. Sortir de la zone, je crois. Elles sont vers l'arrière de l'avion normalement, si je dis pas de bêtises. Là, c'est fait. Alors, rappelle-toi, hier, quand tu l'as fait, tu avais été, je ne sais plus où, là. Oui, un petit peu à droite, faut que tu ailles un petit peu à droite et dans les herbes, tu vas trouver d'autres pièces de l'avion. Là, non, là, y a rien normalement ici. Bah sans ça, tu analyses avec le drone pour trouver les zones. Au pire, ce que je vais faire. Oh putain, mais ça faisait pas comme ça hier. Bah si, il est en train d'analyser, là, il est en train de voler, il vient vers toi. Et puis maintenant, bah, il faut analyser, voilà. Faire la zone 1. Non, c'était dans la zone. On Bah, tu peux toutes commençait. les faire dans l'ordre tranquillement, hein. Donc apparemment, il y en aurait une dans la zone 1. Du moins, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la zone 1. C'est pas dit que ça soit des trucs de l'avion, mais bon. Comment tu fais pour marcher avec le... Je vois marcher avec ta tablette, c'est normal? Si, si, tu peux. Moi, Ah. je pouvais hier. Hein. Ben là, moi, je vois pas. J'essaie de me déplacer, mais je vois pas. Avec ZSQSD, ça marche pas. Ben, Z, ça marche pas. W, ça marche pas. Ouais, donc tu as un problème quelque part au niveau de ton ordinateur, ça bloque sur le. Parce que moi ça marchait hier, donc j'ai pas réglé quoi que ce soit sur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que tu reprends les marqueurs et puis tu marches avec les marqueurs tout simplement, voilà. Voilà, tu te déplaces comme ça et puis quand tu arrives près de la. Je ne sais pas voir où me diriger, c'est ça le problème. Bah, tu reprends la tablette rapidement, tu t'arrêtes, tu reprends la tablette et tu regardes dans quel sens tu es. Il n'y avait pas un truc par là, là, dans... vers la Bah, cabane, là. là pour l'instant, je vois pas grand-chose parce que ton stream étant réduit, j'ai la pub. Donc, bah, tu reprends la tablette. Tu rallumes la tablette et tu verras où tu es par rapport à la zone indiquée par le drone. Ah, je suis carrément à l'opposé. Putain. Voilà. Est-ce que là... Ouais, je me dirige dans le bon sens. Est-ce que là, maintenant, je m'approche. Oui. Après, là, et donc il faudrait que je monte en hauteur là. Là, je suis bloqué. Là, c'est un Saint-Schlinge. Ah, C'est climatiseur. un climatiseur, ouais. Donc c'est pas ça. Donc faut analyser la zone 2. Donc c'est pas cette pièce-là. Ça fait pas partie de l'avion. J'aime bien le style du drone, franchement.
Donc là, faut que j'aille à l'opposé. Donc, faut que je reprenne. Attendez, faut que je redescende. Hop, on va redescendre. Franchement, il est trop bien le jeu. Graphiquement, je trouve magnifique. Est-ce que je suis dans le bon sens? Bah, tu Non. t'arrêtes, puis tu regardes la tablette. Non, je suis dans le mauvais sens. Ouais, tu pars à l'opposé, donc faut faire demi-tour, grosso modo. Je vais m'arrêter au niveau de la maison, là, voir s'il n'y a pas un truc des fois. Canne. Ah, je suis pas loin. Donc là, il faudrait que je parte sur la droite. Oui. Par là. Non, j'ai cru. Là, ça dit quoi? Il faudrait que je me décale sur la gauche. Gauche, ouais. Chanson des morceaux d'avion. Ça dit quoi? Ah, je suis pas loin. Là, il Un faudrait peu sur que. la gauche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va rescanner. Je suis pas loin là. Bah, c'est la zone en question, mais c'est pas la bonne. C'est pas des pièces d'avion, c'est des ordures qui ont été abandonnées. On va faire une 3 alors. Oui. Alors maintenant, faut que je redescende là. Donc on va descendre. Que je suis dans le bon sens. Oui. Est-ce que Un je poil peux. à droite. Ouais, un poil à droite. Où j'arrive à passer. On va passer là. Faudrait que je me décale sur La droite. la droite. Un petit peu. Cherchons les morceaux d'avion. Ouais, je me rapproche. Un petit poil à gauche. C'est du quoi là? Encore un peu apparemment. Qui serait normalement tout droit. Donc juste après la maison. Pas. Non, il n'y a rien dans le secteur. Non, ça dit quoi le drone au niveau du. À mon avis, le point là qu'on voit là où je suis, c'est, je pense, c'est la cabane là. Donc si Oui, c'est c'est pas. la cabane. Donc, faut analyser la zone 4. Donc, c'est pas les trois premières zones, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est uniquement des pièces d'avion, et ça ne s'y rattache pas. Donc il y en aurait 3 là. Voilà. Donc là, faut que je parte direction la droite. Par là alors. Ah oui, c'est qu'on ne va pas passer n'importe où en fait.
On va remettre le. Ah, il y en aurait une qui serait pas loin là. Donc je tourne Ouais, sur ta légèrement. droite, un petit peu sur ta droite. Légèrement sur ma droite. Là, je suis en bout de map. Elle est où cette connerie là? En face, un peu Ah, sur ta droite. j'avoue, c'est bon. Voilà. Ok, maintenant. Donc là, faut que je continue tout droit. Et légèrement à gauche, très légèrement. Voilà. Là, faut que j'aille légèrement à gauche. Donc, avance. Légèrement à gauche, normalement, c'est le climat, c'est le lave-linge qui traîne au sol, donc c'est pas celui-là. Attends, j'ai l'oreille qui me gratte, ça me chatouille. Ah bah faut couper l'oreille alors. Je serais en plein dessus là. Donc ce serait. Ah, il m'en manque un. Donc non, c'est pas ça. Donc faut je continue tout droit en fait. Voilà, faut avancer un peu parce que celui sur lequel tu es là, il est en face de toi, c'est le lave-linge qui traîne, qui a été abandonné en pleine nature. Donc c'est pas ça. Là, faut que j'aille légèrement. Ah, non. Faut que j'aille légèrement à gauche. Gauche, ouais. Il est où ce con? Là, faut que j'aille légèrement à droite, je pense. Il est où ce petit morceau? C'est encore une connerie, petit morceau de 3 fois Va rien. au niveau de l'avion, tu vas au niveau de l'avion. J'y suis là. Non, non, mais avance près de la cabine de l'avion. Ah, ça y est. Putain. C'est dans la cabine, voilà. Ah, maintenant, il faut prendre des photos. Donc, il faut Voilà. ces trois. Touche 3. Faut préparer les photographies de la documentation du crash de l'avion. Non. What? Pourquoi ça veut pas prendre Ah, c'est bon. Alors, après, on va monter, on va faire étape par étape. Hein. Ouais. Là. Après, on vient là. Et l'autre, je crois qu'il est à Taïwan, je crois, si je me souviens bien. Il t'en manque deux pour l'instant, là, il te manque. Ça, c'est l'hélice de l'avion. Il en manque un et l'autre, je crois qu'il se trouve dans les Derrière hauteurs. l'avion, un peu loin derrière l'avion. C'est que Voilà. Non. je vois pas. Continue quand tu. Voilà, comme ça. Un peu à. Vas-y, avance, avance encore. Vas-y, 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 avance encore. Je vois pas. Il est où le point bleu là? LOL! Ah, là-bas. Putain, il est bien planqué le con. Bah oui, parce qu'il y a des morceaux qui sont tombés avant que l'avion ne s'écrase au sol. Alors, c'est voilà. Là, maintenant, il faut appeler, bien sûr, en 4, il faut appeler l'assistance. Ben, le technicien, pardon. Appeler le technicien pour qu'il regroupe les morceaux et qu'il les rapatrie au labo au centre. Trop bien fait, en fait. Donc nous sommes arrivés à notre entrepôt. Voilà.
Donc là, il faut lire les documents de l'accident. Ouais, oui, j'ai à l'ordinateur. 30 secondes. Tiens, mais pourquoi j'ai les oreilles qui me grattent comme ça ce matin? C'est le casque ou qui me gêne? C'est pénible. Ah, ça fait une heure qu'on est déjà dessus. Putain, mais Bah oui. ça passe vite, bordel. Bah oui. Ça passe vite les enquêtes. Le temps de chercher, rassembler les preuves. Ah, honnêtement, je trouve que le jeu est vraiment stylé. L'aspect, comme je vous disais, donc du drone, je trouve que c'est très bien fait. Graphiquement, c'est plutôt joli. J'aime bien l'aspect quand on arrivait pour le lieu de l'accident précédent, donc celui-là où j'ai rapatrié les pièces. Je trouve que la cinématique, elle est très bien faite. Et franchement, ce truc que je trouve bien aussi, bon, j'ai vu, c'est que je l'ai dit, mais je vais peut-être le redire, c'est l'aspect fonctionnel du drone, comment il fait pour fonctionner. Je trouve très bien fait. Alors le seul problème est que le jeu, il est bien sûr en anglais, il n'est pas en français, ce que je trouve ça fort dommage. Mais sinon, c'est un jeu qui est en prologue, qui n'est encore pas sorti. Je remercie encore les développeurs de m'avoir envoyé la clé pour pouvoir tester ce jeu. Franchement, il est super. Voilà. Donc on va faire les mêmes étapes. Et après, je pense qu'on je sais pas combien de temps il y a de gameplay dessus pour le prologue exactement. Donc on va se diriger. C'est où déjà que je me dirige? Au Sur le document. bureau. Les documents, ils sont sur le bureau. Donc en premier, Donc c'est ça, la fiche. Donc ça c'est faut la lire photo. celui-là en premier. Voilà. D'accord. Donc ça récapitule toutes Là c'est les les choses de photos. l'accident. Ensuite, faut regarder le flight log, le dossier flight log. Ah, c'est pas celui-là. Non, ça c'est les photos. Le flight log, c'est le vert. Voilà. Pilote log, non, c'est pas celui-là. Non, si tu regardes de haut en bas, c'est check the flight log. Donc c'est le vert, c'est le document vert. Ah, c'est celui-là. Alors attends, parce qu'il y a un décalage. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Donc le Faut regarder 14. celui-là. Donc normalement, dans l'ordre. Il faudrait regarder en commençant le 8 août, le 16 août, le 18, le 28 et pas dans le sens inverse. Ah, là, il y a une erreur. Donc c'est le Ouais. 18. Donc il y a une anomalie le 18. Oui, le 18, il y a eu quelque chose. Il y a eu un problème de... Un problème d'avion. Ouais. Problème mécanique. Après, il faut Ensuite, il regarder. faut regarder... test more witness, le document à droite du gobelet, Là. à côté de l'ordinateur, juste à côté de l'ordinateur, voilà celui-là. Donc ça c'est le Voilà, donc shérif. ça c'est les gens qui étaient présents lors de l'accident, donc il y avait le shérif qui a fait son rapport, Il y a eu le docteur. le docteur qui a analysé le corps de la victime, Et l'assistant. voilà. Et l'assistant qui connaissait la victime. Et après. Ensuite, il faut regarder la documentation technique. Donc le dossier bleu, Là. tout à gauche. Passe toutes les dates, hein, c'est pas grave. Et maintenant, on peut poser les sneakers. Ensuite, il faut mettre les preuves sur le tableau afin d'analyser étape par étape. L'assistant. Donc l'assistant. J'ai rien d'autre pour Ensuite, un. tu dois regarder les photographies. Les photos, elles sont là.
Donc la photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, ça c'est la plaque, ça c'est l'avion et ça c'est être ok. Donc là on peut fermer le truc et on les repose. Maintenant il faut appeler le mécanicien avec le téléphone. Attends. Avant oui, il y a le... Alors, on va appeler monsieur le technicien Alors, il est où, monsieur technicien? Il est là. Paul. Enchanté. C'est tout? Donc, Paul, il dit qu'il a travaillé pendant 20 ans et qu'il a analysé 7 ou 8 fois l'avion. Apparemment. Donc, attendez, je me mouve parce que je sens que je vais... Désolé. Ah. Maintenant, il faut appeler les témoins de l'accident. Donc, il y a Hélène, normalement. Il y a la madame, là. Voilà, il y a Hélène, en premier, et qui a emmené ses enfants en voiture quand elle a vu l'accident. Et il y a le... Non, le deuxième, c'est le... Le deuxième, c'est le vieux Bill, Old Bill. C'est lui le deuxième témoin de l'accident. Le troisième dans la liste. Voilà, qui est un ancien militaire. Et maintenant, on va poser l'épreuve sur le bureau. Sur le tableau. Oui, j'ai dit quoi? Bureau. Ah, oui, elles non. sont déjà sur le bureau. Maintenant, il faut les mettre en ordre sur le tableau. Non, elle va donc, là. Donc, le mécanicien. Ça, ça va là. Ça, c'est la dame qui a vu l'accident. Là, ça va là. Ça va là. Et pour hein. Je crois qu'il faut remonter l'avion là, non? Donc là, maintenant qu'on a rassemblé les pièces, il faut assembler l'avion. Il faut rassembler 9 pièces sur l'avion. Alors, il nous faut la visseuse. Pour commencer. Alors, on va commencer. Voilà. Après, il y a... Donc, on va remettre, je dirais, en premier l'hélice. Voilà. Ensuite, on va remettre... L'aile. Oui, éventuellement, l'aile. Tu peux commencer par l'aile. Après, on va mettre ça. Voilà. Ensuite, il y a l'aileron. Yo, je te con. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Non. Oui, 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 ça va sur l'aile, ça va sur l'aile. Oui, non, mais... Non, c'est pas le bon avion, tu t'es trompé d'avion. C'est ça, je me suis trompé. Je parle Si, 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 c'est ça, sur le côté, là. Ah, là. Putain, j'avais pas vu. Et, Voilà. On va prendre ça. Ensuite, la trappe qui est derrière la cabine. Là. Voilà. Alors, il y a un fauteuil. Voilà. Et il doit y avoir un deuxième fauteuil normalement. J'ai pas de conneries. Ah, faut changer la batterie. Ah, merde. Mais c'est de la merde, t'as mon panne. Faut pas travailler normalement, bordel. Hop, on change la batterie. Mettre une batterie neuve pour continuer à remettre les pièces dans l'avion. Donc le deuxième fauteuil. Le comique. Ouais. Non, par l'autre côté, faut que tu fasses le tour, je pense. Tu n'arriveras pas de ce côté-là. Je pense qu'il faut faire le tour.
Ah non, ça marche pas. Ah si, normalement ça devrait, hein. Ouais, peut-être que tu étais trop proche, regarde, t'es un peu trop proche. C'est bizarre que ça marche pas, moi hier ça marchait. Je veux pas. Ah. Attends, on va retrouver. De panique. Ouais, tu veux pas te mettre. T'es Je con pense que ou tu... tu te mets trop proche de l'avion. Faut pas être trop proche non plus, peut-être. Il y a peut-être une certaine distance à. Y a pas moyen de sauter là. Non, bah non, tu peux pas, hein. Tu peux pas sauter avec une perceuse et puis un. Ah merde, j'avais... C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il reste le manche de l'avion. Il est où lui? Donc le manche, il faut que tu Ah. regardes sur les palettes. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, et il nous reste la porte de l'avion à remettre qui se trouve juste là. Aïe. Voilà. Maintenant, il faut scanner la zone. Enfin, le... Alors maintenant, faut faire un scan de l'avion. Alors Ben te attends. trompe pas ce coup-ci, hein. Faut que je repose Oui, ma repose la visseuse. perceuse. Ma visseuse perceuse qui fasse ce montage à même. La vis, ça monte, ça fait tout en même temps. Alors, on va scanner, donc c'est La surface. la surface. J'aime bien l'aspect du drone, franchement, c'est trop stylé. Un petit scan à l'infraviolet, à l'infravert. Il va se... Donc, je sais pas ce qu'il faut que je prenne la flasque. Alors maintenant, on te demande de prendre Benoît SR, connexion à les StreamRunner, pièces. Stream Room 8. Souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux viewers. Les coco, les honneurs, bienvenue, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Tu pars ou tu pars pas, toi? Non, maintenant il faut que tu démontes les parties de l'avion. Donc il faut que tu démontes l'hélice. Et il faut que tu démontes le capot du moteur, parce qu'il faut que tu envoies le moteur et l'aileron de l'avion. Pour analyse. Voilà, tu poses l'hélice sur la palette. Non, 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 non. Ah, sur la Non, non, palette. Fred. Sur la palette, tu poses l'hélice. Et après, tu m'as dit c'était quoi? Tu démontes le capot de l'avion. Capot. Le capot, le haut du capot. Non, mets-toi en face. Tu te Mais mets en bon. face du. Voilà. Tu poses le capot sur la palette, au fond là-bas. Voilà. Ensuite, tu démontes le moteur. Ah, mais faut carrément... Non mais c'est la totale là. Voilà, et tu envoies le moteur dans un carton. Tu poses, oui, éventuellement ça, là, pour l'instant. Et maintenant, il faut démonter l'aileron de l'avion. Les deux morceaux de l'aile que tu as remis en place, il faut que tu en redémontes un. Non, de l'autre côté. Il faut que tu passes de l'autre côté. Là. Et après, je sais plus. Tu le poses. Tu vas changer ta batterie. Tu reposes ta visseuse. Voilà.
tu reposes la visseuse. Maintenant, tu vas chercher le moteur que tu mets dans le carton. Au fond, le moteur, il est au fond. Prends le moteur dans le carton. Voilà, dans le camion. Là. Après, il me faut sûrement l'élan. Ah, tu veux me devoir l'élan. L'élan, c'est l'élan. Et je crois que c'est pas la bonne partie en plus. Non, c'est pas la bonne. Voilà. Enfin. Non, tu as démonté le volet de. Donc ça, tu le poses là. Donc, faut reprendre la. Faut reprendre la visseuse et démonter l'autre partie de l'aile. Ah, c'est technique, hein. Ça sert à rien d'aller trop vite dans le jeu. Faut prendre le temps de. Surtout vu que c'est pas en français. Non, la partie qui est un peu à droite. Un peu à gauche. Voilà, celle-là. Là. Voilà. La pose sur la. Donc c'est la partie 4, la pièce 4. Voilà. Tu la prends dans un carton et tu l'emmènes au camion. Pa-la-la-la. Après. Alors, il faut appeler les témoins. Ah. En premier. Il faut appeler les 4 témoins. Téléphone. Voilà. Le témoin, c'est Hélène. Non. Non, apparemment. Non, c'est pas elle. Donc, les 4 témoins, donc je dirais qu'il y a déjà le. Bon, c'est pas lui, là. Ah, madame machin, là. Non, non plus. Voilà, la première, c'est madame Goldberg, d'accord. Ensuite, il y a le docteur, je pense. Non, ça va être mon cul. Donc, si c'est pas le docteur, ça doit être l'assistant. Non plus. Alors, le mécanicien. Ouais, deux. Le mécanicien, voilà, ça fait deux. Ensuite, il reste le docteur. Oula. Non, c'est pas le docteur. Là, j'ai ça et là, mon cas. Alors ça, je l'ai fait. L'assistant, on l'a fait. Elle, on l'a fait. Le docteur, on l'a fait. Lui, je l'ai fait. Hélène. Ben, c'est quoi le quatrième? Le vieux Bill, peut-être? Lui, peut-être. Non. Non, 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 non. Voilà, j'ai trouvé. Pour le faire dans un ordre bien précis, en fait, j'ai l'impression. Bah oui, c'est pour ça qu'en français, ça serait plus facile de comprendre les explications textes qui sont écrites. Donc, qui sont écrits. On repose les stickers. Donc là, on va poser l'épreuve. Donc, est-ce que c'est un meurtre? La question. Maintenant, examiner. Quoi? Maintenant, tu vas recevoir les pièces de l'avion. Ah, il faut aller chercher les pièces. Ah non, faut que tu. Va. Non. Va au camion. Ah, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Tu vas recevoir les boîtes et ensuite tu recevras un email. Non. J'ai fait mauvaise touche. Hop, on récupère le carton, on va le déposer à sa place là-bas. Ça, c'est la plaque et qu'on doit reposer à sa place qui se trouve là. Maintenant, on va aller voir l'email. Nous dire le pourquoi du comment.
Ok, ça c'est fait. Maintenant. Donc l'analyse de la flasque confirme que c'est du whisky de 15 ans d'âge qu'il y avait dedans. C'est pas de la merde. Donc apparemment, le pilote buvait de l'alcool pendant le vol, ce C'est qui pas n'est pas bien ça. très intelligent. Voilà. Deuxième carton. Voilà, là nous recevons le carton de l'examen du moteur et de l'aileron. Donc, faut que je le repose. Tu reposes le moteur sur la palette. On va voir l'analyse du rapport de. Voilà. Et on va chercher le troisième. Ah, attends, on va reposer le sneaker au fur et à mesure. Voilà, ça c'est le moteur. On cherche le dernier carton. Voilà. Je vous rappelle que c'est un jeu qui est en prologue. Il n'est pas en français. Mais je trouve graphiquement il est très joli et plutôt simple à l'utilisation. Bon, à part que voilà, l'aileron, on va le reposer juste ici. Et on va aller voir le Sur ce. rapport. Le rapport d'analyse, ce que ça a donné. Donc ça doit être celui-ci. Donc on est bon. Il faut reposer le sneakers qui se trouve là. Et après, discours en haut à droite. Ensuite, il faut appeler le docteur Queensby au Docteur. téléphone. Il est où, docteur? Monsieur le docteur. Ok. Donc, on peut faire des prises de sang, machin truc. Et il faut appeler. Donc le docteur confirme que dans la flasque, il y avait bien de l'alcool et qu'il faudrait faire un examen de sang à la victime. Il se gratte. Le deuxième, c'est quoi? Alors le premier, Inscrew de Crew, de Screw. Alors attends, je vais regarder parce que là j'ai un doute. Unscrew. On va voir ce que ça va dire. Elle m'a l'oreille, bordel. J'en ai marre. Horrible. L'impression que Davis, d'accord. Davis, Lévis, comment ça, Davis? Non, mais attends, parce qu'on a. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Inscrew de crew. Davis, Lévis, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ça, par contre, je l'avais pas hier, il me semble. Je crois que ça a planté là, moi, à un moment. Donc là, il faut dévisser des vis, mais les vis de quoi? Alors, est-ce que dans le bureau ou dans le hangar, est-ce qu'il y a quelque chose qui est indiqué avec une flèche? Attends, une seconde. Attendez, il faut que je passe un truc. Voilà. Désolé. Club Axe, tu devises comme Edgar le footballeur. Hein? Pas compris. Hein. Tu dévises comme Edgar le footballeur. Je suis pas le Ça me dit rapport. rien du tout là. Moi Là, non tu plus. parles chinois, Club Axe, hein. Club Axe, Edgar Davis, un Néerlandais des années 2000. D'accord. Donc, à mon avis, il faut démonter un truc sur l'avion, je pense. Voilà, il y a un truc à démonter, mais je vois pas ce que ça peut être. Parce que moi, quand j'ai fait le prologue hier, ça a planté à un moment. Donc, il va falloir poser le téléphone, aller dans l'atelier et voir s'il y a quelque chose d'indiqué. Il
demande de dévisser quelque chose, qu'est-ce que ça peut être? Bon, on a vu ça, là. Dévisser les vis, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dévisse? Dans le C'est moteur. bizarre, bizarre. Non, c'est pas ça. Qu'il ne faudrait pas remonter le moteur. Éventuellement, tu peux essayer, mais normalement, unscrew de screw, ça veut dire dévisser les vis. Donc j'avoue que là, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Là, il n'y a rien. N'y a rien indiqué. Ouais. Là, il Ça n'y va a rien. peut-être être un peu problématique. Hein. Attends, on va trouver, de toute façon, on va faire. Déjà, c'est pas sur le côté. Est-ce que ça c'est sur l'arrière? Non. Bah, on met la porte. Là, pas comprendre là. Qu'est-ce que ça peut être? Là, j'avoue que moi aussi, je suis un peu perplexe. Attends, mais on n'a pas scanné l'avion. Si, 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 ça a été fait, ça a été fait. Ben là, il se compte promis Le M. premier, c'est dévisser les vis. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est demander l'analyse de sang. Bon, on va aller demander l'analyse de son. Comment on fait déjà pour aller demander l'analyse de son? Ah bah déjà, tu poses la visseuse. Là. Non, ça c'est le machin. Voilà, la morgue. Donc ça c'est fait, la morgue, hein, Monsieur Goldberg, la présence d'alcool. Ils sont via email, d'accord. Là, OK. Ok. Et là, dévisser les vis, là j'avoue que je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut le dire. Regarde le plan de l'avion, peut-être qu'ils veulent qu'on sorte le. Alors il serait où le moteur? Il est là. Donc le moteur il est là. L'hélice. Là, on a. Ou peut-être remonter le moteur, peut-être que tu dois remonter le moteur et remettre les vis en place. Moi, je vois que ça, hein, parce que là, j'avoue que je suis un peu perdu dans l'histoire. Ah bah, on va tenter de remonter ouais, le. Remonter le moteur, remettre le capot et puis remettre les vis. On va essayer ça, ouais. Non, il faut la visseuse d'abord. Oui. Non, je peux pas remonter. Avec le moteur en place. Après, il nous faut le capot. Le capot qui est au fond là-bas, tout au fond, voilà. Là, remettre l'hélice. Là, remettre. Éventuellement, tu peux remettre l'aileron et puis Je vais remettre déjà tu la peux remettre les porte. pièces que tu as démontées. Peut-être qu'il faut remettre l'avion, il faut reconstituer l'avion. Après l'avoir démonté, remettre les pièces sur l'avion. Moi, je verrai ça, mais bon. Je suis en train de. Ah merde, plus de batterie. Ah, fait chier. C'est la merde. Bah oui, hein. Ça Ah. use du courant,
Ça use du courant, le vissage et le dévissage. Merde. Bon, je reviens le temps que tu termines ça. On va mettre les larrons. Pourquoi il veut pas, lui? Ah, peut-être faut monter là, faut que je fasse l'inverse. Veux pas. Pourquoi tu veux pas? Non, c'est pas là, c'est merde. Là. Ok. Et normalement, c'est là. Il me reste à monter. Pourquoi je vais pas se monter, lui? Il va bien, lui. Non. Oh, Donc, oh. ça va? Ben là, j'ai pas remonté le côté droit de l'avion. De, enfin, du Le moins, côté le gauche, tu veux dire? côté gauche, oui, de. Peut-être que tu es trop près de l'aile, peut-être t'écarter un peu, juste un petit peu en arrière pour pouvoir apparaître le fantôme de la pièce, non? Non, bah alors cette partie-là n'est peut-être pas à remonter, il faut peut-être la laisser sur la palette. Mais après, je cherche ce que ça peut être. Je vais le chercher sur internet ce que ça veut dire. Peut-être que il y a Bah, j'ai regardé déjà, hein. C'est ça le problème. peut-être une indication, je sais pas. J'ai tapé exactement ce qui est marqué à l'écran et ça dit dévisse les vis. Mais par rapport à quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Peut-être il faudrait prendre le temps de regarder les photos. Les photos que tu as mises sur le tableau, il y a peut-être quelque chose où tu as été trop vite. Que là, même moi, je suis perdu, hein. Je suis un petit peu perdu dans l'histoire. Attends, 30 secondes. Donc, il faudrait qu'on aille voir. Bah, faut retourner, tu poses ta visseuse et puis il faut retourner dans le bureau et Ah, ça. regarder les photos. Il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé. Non, les photos. Non, non, sur le tableau, sur le tableau. Ah. Ça, c'est les photos de l'accident quand tu es allé voir l'épave de l'avion. Alors attends. Il y a Hélène qui est la femme du pilote. D'accord. Il y a l'assistant. Alors, est-ce que l'assistant a commis un meurtre? Il y a eu l'analyse de l'aileron. Le machin.
Je tente, hein, parce que je ne sais pas du tout. Et 10 divisé, c'est quoi divisé quoi? C'est ça le truc. Je sais pas. Là, j'avoue, je ne sais pas du tout. De toute façon, c'est un truc à dévisser, c'est sur l'avion. Bah oui. Non, je pense penser à un truc. Il y a une pièce. Il y a une. C'est une seule pièce qui est à dévisser sur l'avion, donc. Non, 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 non. Bah non, on te demande pas de mettre ça dans une boîte, ça c'est pas Non, le. mais j'essaye, j'essaye. Il y a quelque chose à faire, mais je vois pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Là, c'est pas sur ce côté de l'avion, parce que on peut rien démonter. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule chose à faire, mais je vois pas ce que ça peut être. C'est ça le problème. Il y a une chose à enlever. Non, ça va sur la palette une. Voilà. À moins de démonter tout l'avion, mais pff, non, je vois pas. Je vois pas ce que ça pourrait être. Là, franchement. Ouais, non, mais ce que je vais essayer de faire, je vais redémonter tout l'avion et puis je vais bien voir si je trouve quelque chose ou pas. Mais oui, mais voilà. J'arrive pas à retirer les fauteuils. Bah après, je vois pas ce qu'on peut. J'essaye de comprendre le truc là, mais j'avoue que je suis un peu perdu. Ah. Retombe le moteur. Là, il manque un truc, tu vois. Il manque. Ouais, bah justement, il manque un truc, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah merde, j'ai plus de batterie. Péché. Comment je fais pour choper les... Non, il faut démonter, je pense. Il faut démonter dans le sens inverse, donc démonter le deuxième fauteuil, peut-être, avant de démonter le. Mais si ça marche pas. Ça n'a pas l'air de bien vouloir démonter. Non. Après, il y a bien l'histoire du F1, mais le F1, je sais pas si ça va donner des informations. En plus de ça, le problème, c'est que ta caméra est en plein dessus, donc je verrai rien. Non, il n'y a pas de F1. Ah, il n'y a pas de F1, donc ça veut dire qu'on est sorti du tutoriel, là. On est vraiment dans le dans une enquête. Apparemment, il manquerait 1, 2, 3. Bah, il y a deux palettes, c'est les fauteuils. Je suis d'accord, donc il manque un truc. Bah, il y aurait l'aile à démonter, peut-être. Mais je pense pas, hein. L'aile à redémonter. Là maintenant je peux redémonter les fauteuils. Peut-être. Ouais, bah apparemment, oui. Deuxième fauteuil. Et il reste
une palette de disponible. Donc ça peut être quoi? Alors là, j'aimerais bien le savoir. Là est tout le mystère. Voilà, il n'y a rien du tout. L'arrière, apparemment, il n'y a rien. Là, de ce côté-là, il n'y a rien. C'est quoi le... ça pourrait être quoi? Ben, je réfléchis, mais là je vois pas. Je te dis, j'ai fait le prologue comme toi hier, mais ça a planté, moi, au bout d'un moment. Donc, un peu compliqué de savoir ce que ça peut être. Dévisser les vis, mais de quoi? Surtout que là, on n'a plus d'indication. Donc, ah! Attends, va voir le camion. Le camion, le camion, le camion. Non, non, va voir le camion. Regarde, le camion de livraison, il est encore là. Il n'y a rien dedans. Y a rien dedans. Alors c'est pas le camion. Non, des fois qu'on aurait oublié de décharger quelque chose du camion. Là, le truc, pour scanner, il n'y a rien qui marche. Bah oui, parce que c'est pas du scan qu'on te demande de faire, c'est de dévisser les vis. Mais alors, les dévisser les vis de quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Retourner sur l'avion, là on a le moteur, là j'avais la plaque, là on a un pulse machin truc, là là aussi on a l'aileron. Ouais, non, là, je vois pas du tout ce que ça peut. Je vois pas Regarde du tout là, ce que ça peut être. là tu vois ça là, merde. Ce truc là c'est quoi? Honnêtement, je sais pas. Je dirais que c'est le marchepied pour monter dans l'avion, mais je suis même pas sûr. Là il y a un, mais non il y a un indiqué. Ouais, là j'avoue que ça manque d'explication quand même. Il manque quelque chose, mais alors quoi? Je ne vais pas me décourager pour autant. Faut trouver le truc. Bah oui, mais je passe tout en revue dans ma tête et là, je vois pas ce que ça peut être, hein. Donc l'avion, nanana, les humains. L'arrière, on ne peut pas le toucher de toute façon. Donc, soit ça se passe côté moteur, côté intérieur de l'avion. Il y a un truc à dévisser, mais la question c'est quoi? Ça, c'est la traduction. Hein. Après, la traduction, elle est peut-être pas fiable. Hein. Elle est Hmm. peut-être pas fiable.
La dernière chose qui resterait à faire, c'est l'analyse sur le tableau, mais... Ah non, mais cliquer sur les emails, ça changera rien. Tout ça, tu l'as déjà vu, donc ça Ouais, doit non, pas... mais ouais, mais des fois que je cherche, je suis comme toi, Rudy, là. J'essaie de comprendre. Il y a forcément un truc à démonter. La question, c'est trouver quoi? Je te dis, après, c'est peut-être une mauvaise traduction, peut-être qu'ils ont mal intitulé le truc, hein. Là, de ce côté de l'avion, là où je suis, on ne peut rien faire. Donc tout se passe de ce côté-là. Déjà, l'arrière, il n'y a rien. Aïe. L'intérieur. J'ai pas quoi que ce soit qui fait que. Mais il n'y a rien. L'arrière, il n'y a que dalle. Là non plus. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai aucune idée. Là, j'ai tout passé en revue et je vois pas. Là, je bloque complet là. J'essaye de comprendre, mais... Là, on va remonter l'avion. Oui, tu peux essayer de faire ça, mais bon. Ah, mais regarde, il manque une palette. Toi, il y a une palette numéro 9 qui a un truc à démonter. Ça, c'est quasiment sûr. Il y a un truc à démonter, à envoyer, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi tu veux pas que je te mette. Un truc qui échoue là. Je sais pas, peut-être qu'il manque quelque chose dans le prologue, mais je vois pas ce que ça peut être. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Non, faut remettre le moteur d'abord. Ouais. Une batterie. Benoît SR, connexion à Streamrunner, Streamroom 4. Souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux viewers. Les cocos, les runners, bienvenue. Là, on va remettre le capot. Là, on va mettre les listes. On va remettre ça. C'est ça. On va.
Hein, toi, c'est marrant, je ne peux pas remettre le panneau latéral. Oui, il est long. Peux pas le remettre. Non. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'envoie en analyse ce truc? Bah non, tu l'as déjà envoyé. Tu l'as déjà envoyé avec le moteur, donc tu peux pas renvoyer quelque chose à nouveau. Non, ou alors il y a peut-être un bug dans le prologue. C'est peut-être la fin, peut-être que le prologue il s'arrête là. Mais c'est un peu bizarre, quoi. Là, il manque quand même quelque chose. Il manque un truc, quoi. Quoi? Mais alors quoi? Je n'en sais rien du tout. Non, évidemment, ça, je ne peux pas le remonter. C'est quand même bizarre, quand même. Bah oui. Et je fais ça, que je repose ça, que je pense ça et que j'essaie de mettre. Non, je ne peux pas le remettre. Alors, tout à l'heure, ça avait fonctionné. Non, là, j'avoue, je n'en sais rien du tout. Scanner, on ne peut pas scanner. Non, non, en anglais, ils disent qu'il faut dévisser la vis. Moi, je veux bien, mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. C'est ça le problème. Ben, il Ils faut veulent qu'on que dévisse. faut trouver la vis à démonter en fait. Benoît SR, fin Oui, du mais après, c'est passage, peut-être une une mauvaise minute, n'hésite traduction en pas à dire anglais, un hein. dernier mot avant de Il a laisser peut-être ton voulu tour au dire quelque prochain chose que les streamer. Anglais ou comprennent et que nous, on ne comprend pas. Et en français, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose, hein. Mais quoi, je ne sais pas. J'en ai aucune idée parce que là on a tout passé en revue. Il y a un truc à diviser, ouais. Oui, mais pas forcément, c'est peut-être pas, je te dis, ça veut peut-être pas dire ce que ça veut dire. Ah non, mais t'inquiète, j'ai compris, mais C'est cherche peut-être le. sur le, je sais pas, c'est peut-être sur le tableau, parce que sur le tableau, ça n'a rien validé de plus. Au niveau des Benoît SR, photos. déconnexion de Streamrunner. À bientôt. Je le coche tout. Que je fasse ça. Je fasse ça. Mécanicien. Ça donne rien. Alors, c'est pas mécanicien. C'est pas ça. J'appelle du. Je teste, hein. Je sais pas. Après, je te dis, c'est peut-être le prologue qui est buggé, il y a peut-être un souci dans le prologue. Hein. Moi, ça a bien planté à un certain moment, peut-être que toi, ça bug à ce moment-là. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Parce qu'on a quasiment tout fait, je vois pas ce qui peut manquer dans l'histoire. Là, j'ai appelé tout le monde. Regarde sur YouTube si je trouve pas un truc en français.
Non, c'est l'inverse. Oui, non, mais moi je le mets dans le sens que ça doit être. Alors, attends, recherche. Un accident foireux. Alors, il y a quelqu'un qui l'a fait apparemment. Est-ce que c'est en français? Non, c'est pas en français. Peut-être dire ce que c'est exactement, je sais pas. Oui, mais là, c'est pas une langue que je parle, hein, c'est en espagnol, donc ça va être compliqué de. Non, c'est pas ici. Sinon, tu mets en français. Tu mets le nom du jeu et tu mets en français. Peut-être que tu vas peut-être trouver quelque chose. Attends. Ça me ferait bien chier de pas pouvoir aller plus loin. Genre, Bah ouais, mais bon, c'est un prologue, hein. C'est accident. Alors. il y aura un truc Prologue. à démonter, mais je vois pas ce que c'était. Prologue. Là, il n'y a rien. D'avion. Ouais, bah non, c'est même pas la peine de le mettre en français, ça m'envoie sur des informations. Donc, bah, ça ne parle pas de jeu, ça parle d'accidents, d'avions qui se sont passés il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Donc, le mettre en français, malheureusement, ça ne sert à rien. De ce que je vois, oui. Prologue. Mais ça y a en anglais peut-être. Alors, ça, je l'ai déjà vu, c'est en italien. Il doit y avoir un truc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Prologue gameplay. Ah, il y a quelqu'un qui apparemment l'a fait il y a 2 mois. Alors, voyons voir. Là, il manque des trucs là. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Benoît SR, fin du passage, une minute, n'hésite pas à dire un dernier mot avant de laisser ton tour au prochain streamer. Alors, voyons voir. Là, on est presque au Crois bout. que je vais. On va peut-être pas pouvoir aller plus loin, je pense. Il y a un hic dans le pâté là. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu prends la pièce que tu peux pas remonter et tu vas à la table qui se trouve à côté de la visseuse. Sérieux? D'accord, ok, bah fallait le savoir. Oh la vache. Alors attends, pause. Je reviens sur le live. Tu prends la pièce que tu peux pas monter là à côté du fauteuil. Sur la palette. Non, top. Sur la Ah, palette 4 là. ah c'est Voilà. bon, Tu j'ai fait. vas vers l'établi, tu vas vers l'établi de la Oh visseuse. putain! Voilà, tu Benoît poses la SR, pièce là-dessus et ça va déconnexion de te faire Stream Runner. démonter. À bientôt. Voilà, tu prends le sachet, tu poses la visseuse, tu prends le sachet. Non, pose la visseuse. Voilà, prends le petit sachet qui est à côté de la. À droite, le petit sachet. Tu le Allez. prends et tu le mets dans un carton et tu l'amènes au camion. Oh putain, les vis. Oh, ah, la Eh oui, vache. c'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite dans le jeu. Mais il Faut cherche pas à prendre aller le trop temps. vite, mais toi-même, toi, tu savais pas en fait. Bah oui, mais bon, avec les lumières du jeu, j'avoue que sans les flèches blanches de la première scène d'accident. Donc maintenant, il faut aller au tableau et poser les preuves, poser une preuve sur le tableau. Attends. Une seconde, Rudy.
Faut vraiment savoir le truc. Hein. Là, ils auraient dû mettre une information, ils auraient dû mettre démonter les vis de l'aileron. Ouais, mais en fait, dévisser, ouais, mais bon, il fallait savoir. Enfin, Dévisser les vis, mais ils auraient dû rajouter l'information de l'aileron pour qu'on puisse voilà. savoir exactement de quoi il s'agissait. Parce que là, on est un peu largué, si je peux dire. J'ai fait quoi du coup, là, je sais plus. Bah là, il faut aller dans le bureau et il y a une photo à poser sur le tableau, apparemment. Ouais, ce que je vois. Alors. Voilà, donc maintenant il faut appeler les témoins. Donc les témoins, c'est Hélène. Il faut appeler Hélène. Non, c'est pas Hélène. C'est pas Hélène. Elle a Ce la serait tête. qui alors? Le vieux Bill, peut-être? Le vieux Bill? Non, c'est pas lui non plus. Le mécanicien, c'est pas le mécanicien. Hélène, on l'a fait, lui. Peut-être le docteur. Non, c'est pas le docteur. Elle, peut-être. Non. Tout insistant, non plus. Ah, j'en ai trouvé un. Ben... Le mécanicien, d'accord. C'est pas ça. Donc, il m'en manque un. Donc, on va tout se faire passer en revue. Pas lui. C'est pas Hélène. Et est-ce que c'est le Bill? Non plus. Est-ce que ça c'est le docteur? Non plus. Est-ce que ce serait madame? Là-haut, madame, je l'ai trouvé. Madame Goldberg, d'accord. Alors maintenant, tu vas recevoir un email avec l'examen des résultats du sang. Alors, déjà, apparemment, j'ai une preuve à poser sur le bureau. Ok. Et donc on va dans les emails et ça doit être celle-ci, non? Non. Ouais, Bah, ça c'est doit être ça. le dernier, hein. Voilà. Et après. Tu vas recevoir une boîte et ensuite tu vas recevoir un email avec les résultats des vis, je pense. Donc je dois retourner chercher la livraison dans le camion. Voilà. On va les reposer, je pense, là. Et Et tu vas sur l'ordinateur. non. Normalement, il doit y avoir un email. Tu vas recevoir un nouvel email. Ouais, et l'email, ça doit être celui-là. Ok. Et maintenant, c'est quoi? Voilà. Maintenant, il faut regarder quand l'aileron a servi. Il faut que je retourne chercher l'aileron, en fait. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Il faut regarder quand l'aileron a servi. Donc, il faut regarder dans les dossiers, peut-être. Ah, il y a une photo, apparemment. Les vis, d'accord. Donc, il faut regarder dans le dossier, Photo. peut-être bleu. Non, pas les photos. C'est les photos de l'accident. Ça n'a rien à voir. Il faut Donc que tu c'est regardes dans les dossiers techniques. Donc, je pense que dans le dossier bleu, il faudrait regarder pour commencer. Et ensuite, si ça ne marche pas, dans le dossier vert. non, ah, c'est pas pause.
Technique. Donc, il faut passer les dates en revue. J'ai trouvé. Après. Il faut appeler les témoins. Encore? Bah Putain. oui, bah c'est une enquête, hein. Il faut appeler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Parce que si entre-temps ils changent leur version des faits. Déjà, c'est pas Irène. Est-ce que ça serait le vieux Bill? Non plus, c'est pas vieux Bill. Est-ce que ça serait elle? Non plus. Madame Goldberg? Non, elle marche pas. Non. Là, t'es... L'assistant? Non plus. Non plus. Ça commence à devenir compliqué comme Ah, histoire. ah, 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 il y a du monde qui s'est rajouté là. Ouais, j'ai Ah, trouvé. l'avocat. Et, oui. Alors, Flycraft, ça c'est la société de location. Et ça c'est l'avocat. Et il faut parler au témoin. Mais de quel témoin il parle? Alors, le témoin, ah bah c'est... Ah, j'ai Attends, trouvé. Voilà. le jeune Tom. D'accord, donc tu vas recevoir un email du jeune Tom. Donc, Arthur, on re... Disco, Stéphane. Un email, là. Voilà, Tom, il est là. C'est bon. Après. Encore un autre email? Deux. Tu vas recevoir un email avec les résultats des vis, de toutes les vis apparemment. C'est la morgue. Ah. Le tableau, il va être blindé à fond là ou comment ça se passe? Donc l'alibi confirmé. Donc là, c'est pas là. Là en bas, to all stuff. Non, reviens sur l'ordinateur. Tu vas trop vite, Fred. Reviens sur l'ordinateur. Regarde en bas là. To all. Non, reviens sur l'ordinateur. Il revient là. Bah oui, mais tu vas beaucoup trop vite. Là, sur l'écran, la partie gauche, au-dessus de la flèche rouge. Tu as marqué To All Stuff Inc. Ah oui, j'ai pas Clique vu. dessus. Voilà. D'accord. Donc maintenant, il faut attendre l'email. Il faut Mais... attendre l'email. Ah, Donc je il faut l'ai. que tu cliques sur. Là, c'est bon, je l'ai là. D'accord. Regarde dans Inbox peut-être s'il n'y a pas quelque chose qui est arrivé. Non, le premier, le premier. Là. Tom. Voilà. Oh, voilà. Maintenant, faut que je recontacte Tom, si je comprends bien. Voilà, exactement. Monsieur Tom, vous êtes où? Nous avons besoin de vos services, monsieur Tom. Ouais, après. Voilà. Alors maintenant. Il faut établir la cause de l'accident sur le tableau. Oh putain. Ça va être un peu compliqué vu que là, tout le texte est en anglais. Ça va être tendu d'arriver à établir les causes de l'accident. Ça, c'est les vis. Et ça, c'est le jeune Tom. D'accord. Alors. Là, je suis un peu largué. Hein. Je vais faire avec mon instinct. Hein. Alors, hein. Attendez. Récupératif. Donc ça, je décoche. Non, décoche. 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 Je décoche. Je décoche. Je décoche. Je décoche. Je décoche.
Donc là, on a tout décoché. Donc l'accident part de 2L. Alors, Hélène. Il y Délène a a eu trop. Hélène. Ensuite, il y a eu l'analyse. Il y a eu l'analyse de l'aileron. Ensuite, après l'analyse de l'aileron, Donc ce il y a serait eu un ça. mauvais fonctionnement. Donc ce serait ça. De ça, on passe à ça. Là, il y a eu le mauvais fonctionnement. Après, il y a eu Pour les quelle raison? vis. Parce que les vis avaient un problème. Voilà, Qui a donc. changé les vis? C'est le jeune Tom. Donc, on valide le tome qui a fait ça et ça. Bah, c'était le sens inverse, mais bon. Après, Alors après, l'assistant. l'assistant dit, est-ce que c'est madame qui a tué monsieur? La question se pose. Pourquoi? Donc ce serait elle, Parce que madame était pilote aussi. donc comme ça, qui dirige vers l'avion de là, Voilà. qui dirige au niveau de l'aéronautique, Oui, parce qu'il y a eu l'analyse de l'avion. qui dirige au niveau de Madame L, Qui avait un alibi. avec monsieur. Et l'alibi est confirmé pour monsieur. Donc, après, on repasse par le mécanicien. Le mécanicien, lui, il dit que la femme était pilote aussi au niveau de l'avion, d'accord? Donc, après, le bill Le par. vieux Bill, bah lui, il a analysé le moteur. Voilà. Non. Hop. Donc, le moteur, il est là. Le moteur, il l'a analysé, le moteur fonctionnait bien. Et ouais, mais il manque le médecin là. Il est où le Non, non, médecin? mais. Après, il y a eu l'alcool, donc il y a eu la flasque. Au-dessus du moteur, il y a eu la flasque. Il va avec ça et ça La flasque a été analysée. Ils ont fait une analyse. de Et sang. ensuite, ils ont fini par une analyse de sang. Donc maintenant, bah, il faut attendre. Établir les causes de l'accident sur le tableau. Soit il faut attendre, soit Ah, on oublie. déjà la femme, c'est pas un meurtre. Tu vois l'assistant et la femme. Ouais. Qui Déjà la femme, entoure. c'est pas un meurtre. Donc tu peux mettre une croix à cet endroit-là. Donc sur celle où il y a le truc rouge. Oui. Elle n'a pas commis de meurtre. Non. Voilà. Elle, ben la première non plus en fait. Comme vu que Hélène, c'est celle qui est propriétaire de l'avion. Hélène, c'est... La propriétaire de l'avion. Le tome, il a vérifié juste les vis en fait. Non, en gros, il y a eu un mauvais fonctionnement de l'aileron. À cause de quoi? À cause des vis. Qui a changé les vis? Ben c'est C'est le Tom. jeune Tom. Et qui a ordonné le changement du matériel? Ben c'est l'espère. Apparemment, c'est Tom. D'après ce que je comprends. Orderred, all stuff. Alors attends, Orderred. J'allais traduire ça. Traduction ordered de all stuff. Donc ordered stuff.
Ouais, d'accord, hors de raid, d'accord. Donc c'est lui qui a commandé toutes les vis. D'accord. Ensuite, le mécanicien, lui, dit que la femme était pilote aussi. Il y a eu l'analyse de l'avion par la société Aerotech. Oui. La femme avait un alibi. Avec Et le. l'alibi était confirmé pour monsieur. Donc ça, pour moi, ce serait bon. Donc après le Bill a vérifié le moteur. Bah, le Bill, lui, c'est un ancien militaire. Donc pour lui, quand il a vu l'accident, le moteur fonctionnait bien. Donc ça, je peux le décocher. Et là aussi. Et puis après, bah, il y a eu la flasque d'alcool qui a été trouvée dans l'avion. Donc elle est là. L'analyse a confirmé que c'était bien du whisky de 15 ans d'âge. Et la prise Et de sang, donc, quoi. il a fallu faire un examen du corps du cadavre de l'avion pour confirmer que le pilote avait bien bu de l'alcool alors qu'il n'aurait pas dû pendant le vol de l'avion. Ouais, ça se tient à peu près, mais... Il y a une couille entre Tom. Alors déjà, c'est pas une couille, il y a un problème. Alors attends. Je regarde la vidéo que j'avais vue tout à l'heure. Bon, Je ça, reviens, je vais boire d'accord. un coup, je reviens. D'accord. Donc là, il pose la visseuse. Ouais. Donc ça c'est fait. Donc là il repose les vis. Là il appelle les témoins. Là, il pose les preuves sur le tableau. D'accord. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il va dire, lui. Alors, ça, c'est les preuves des vis, blablabla, la réception de l'email, le téléphone au jeune homme. D'accord. Ok. Déjà, Hélène, c'est un propriétaire de l'avion. Il y a un truc. What? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis en train de regarder. Alors, attends, Ah. il pose les photos. Alors, déjà, la prise de sang, elle est en rouge. Alors, attends, je change d'écran, comme ça je regarde en même temps ce que tu fais sur le... Hop là. La prise de sang est en rouge. Ensuite, le moteur est en rouge. Okay. L'alibi confirmé de monsieur est en rouge.
Marie. Voilà. Ensuite, le jeune tome tout à gauche en rouge et ça se termine comme ça. Mais non, mais il y a un truc là. Il manque un truc. Non. Non, non. En haut, Hélène, tu la décoches. Tout en haut, Hélène, tu la décoches. Oui. Voilà, tu la décoches. Tu décoches l'assistant. Tout ce qui n'est pas avec les croix rouges, tu enlèves le signe vert, là. Tu l'enlèves. Non. Tout ce qui n'est pas rouge. C'est bon. C'est plutôt marrant comme jeu, j'aime bien en fait. On a mis 21 minutes et 35 secondes. Oui, à part que bah je veux pas dire de bêtises, mais attends. Et après, je saurais pas quoi parce que ça s'arrête là. Eh ben, on va voir hein, si ça s'arrête là. Non, pour moi, ça continue. Oui, mais il est pratiquement 10h moins le quart. Attends, on va voir ce qu'il propose. Ah non, on recommence le même. Voilà, donc il n'y a que deux missions. Voilà. Donc, attendez 30 secondes, que je fasse un truc. Là. Donc voilà ce petit prologue. Attendez. Je vais me remettre en face cam. Donc dans la première partie du prologue, c'était le tutoriel qui Donc, explique comment mettre en place une fonction. voilà, donc comme disait Rudy, voilà, donc dans la première partie donc, du prologue, donc c'est le tuto comment fonctionne un peu le jeu. Après, on a eu donc le prologue, donc deuxième scène d'accident d'avion, qu'il faut résoudre des énigmes, le pourquoi du comment s'est passé l'accident. Je trouve que le jeu il est bien fait, graphiquement il est très joli. Ce que j'ai bien aimé, c'est deux choses. C'est la fonctionnalité du drone. Je trouve que l'aspect donne vraiment réaliste. J'aime bien aussi l'aspect de la voiture qui est plutôt, on va dire, stylé. J'ai pas le moyen de m'en acheter une pareille, mais bon, bref, d'un côté la peau du cul. Mais sinon, non, c'est un très bon jeu. Alors, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est prévu pour 2024. Je remercie encore les développeurs de me l'avoir envoyé et pour vous présenter et le tester. Bon, j'ai demandé l'intervention de Rudy parce qu'il sait qu'on est en anglais mieux que moi, parce que moi en anglais je suis nul à chier. Voilà, moi je dis les choses clairement. Excusez-moi si j'en prends parler, mais voilà, j'en prends parler. Après, je peux que vous conseiller. Par contre, si j'ai des news concernant à nouveau le jeu, ben, je vous le dirai et je continuerai s'il y a une suite ou pas à donner par rapport au prologue. Le temps que le jeu soit sorti définitivement, je ne sais pas encore la date exacte de la sortie, mais je pense que c'est un jeu qui est plutôt intéressant à faire. Le truc qu'il y a, il faudrait vraiment qu'ils traduisent vraiment le jeu en français. Il y a trois versions, il y a anglais, chinois et l'autre c'est polonais, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Et qui fait qu'il n'y a pas le français. Donc si les développeurs vous passez par ici ou par là, je ne sais pas comment dire, mais bon, si vous passez par ici ou par là,
essayer de mettre la traduction en français pour pouvoir nous aider nous plus facilement pour pouvoir sinon s'il y aurait une note à donner franchement sur 20 j'en aurais au moins 15 de moyenne mais voilà j'espère cette petite découverte de jeu de plane donc avion accident vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Parce que je sais aussi que c'est un peu la recherche donc, de l'épave d'avion. Il y a l'énigme, le pourquoi du comment. Donc, il y a une enquête qui fait que voilà, faut trouver le pourquoi du comment l'accident s'est produit. Et ça donne un peu de suspense à. Au jeu et je trouve ça très très bien en tout cas chapeau les développeurs pour avoir fait ce jeu maintenant faut voir après la suite ce qu'ils ont prévu de faire de rajouter au niveau du jeu voir si il va ou pas avoir une version française mais je pense que le jeu en vaut la chandelle alors je connais pas du tout le prix. Mais voilà, je remercie toutes et toutes d'avoir regardé ce prologue. Je remercie encore, bien sûr, la communauté de streamers de passé. Je remercie les gens qui ont été dans l'ombre. Je remercie ceux qui ont été en lurk. Et je vous raid. Ben, je sais qui je vous raid. Je sais pas. Ah, bah, tiens. Je vais vous envoyer au Québec. Je vous envoie chez Karine Sims Québec qui a fait du Fortnite. Elle fait pas des Sims aujourd'hui. Restez pour le raid, pour le soutien, c'est important. Cet après-midi, alors je pense qu'avec Rudy, on va se remettre sur 3D Paint Master. Donc, parce que la dernière fois, j'ai carrément buggé et Rudy a pu trouver la solution. Donc voilà, donc je pense que cet après-midi, on va faire ça. Parce que moi, il faut que j'aille faire des courses. Je vous remercie toutes et tous, je vous fais des bisous et je vous remercie d'avoir regardé et resté pour le raid. Je vous raid chez Karine qui fait du Fortnite. Est-ce que je vais l'avoir dans ma liste de raid? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas. Attendez, il faut que. Copier. Ben, je remercie Rudy aussi d'avoir intervenu pour pouvoir m'aider à présenter ce prologue. Mais il en vaut vraiment la chandelle. Je vous remercie, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour 3 Paint Master Simulator. Parce que voilà. Je vous fais des bisous. Restez pour le soutien, c'est important. Je vois chez Karine, elle fait du Fortnite. Bisous à tous et à tout à l'heure. Bye bye. Merci d'avoir regardé et merci pour votre soutien.
wanna lose you. I would do it for love. I would do it for love for you. I would do it for love. All the risk I would take for you. I would do it for love. I would do it.